Alors bonjour, c'est bien l'émission Solidaire d'abord sur Fréquence 7, cette radio qui nous laisse la parole, contrairement à tout ce qu'on peut entendre sur les radios mainstream. Là, on va peut-être essayer de parler en vrai, hein. Alors aujourd'hui, il y a plein de monde autour de la table, vous pouvez dire bonjour peut-être. Bonjour peut-être. Bonjour. Bonjour. Donc, alors c'est une émission qui fait suite à celle que l'on a fait il y a 15 jours avec Yann et William, il y a 15 jours. Et donc, merci à eux parce que c'est eux aussi qui ont pris contact avec les personnes que vous aurez aujourd'hui, dont on ne citera pas les noms. Voilà. C'est une émission toujours sur le fait que le pass sanitaire impacte très, très fort, justement, toute une partie de la profession sanitaire, hein. Et donc on va voir un petit peu où on en est. Alors avant, j'ai une petite introduction sur plein de choses. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est le fait que Amnesty International a fait une enquête qui s'appelle Présumé coupable, et on se rend compte que depuis 5 ans, 40 000 personnes se sont retrouvées condamnées de façon abusive. Alors d'une part, il y a la pression de la police avec les LBD, les gardes à vue, etc. Mais en plus, la justice fait pression pour empêcher les gens d'aller manifester. Donc je trouve que c'est très très grave. Dans notre pays, théoriquement, de liberté, on a théoriquement le droit d'aller manifester, mais voilà, ça se réduit. Par contre, pendant ce temps-là, M. Sarkozy, au bout de 10 ans, finalement, est quand même condamné. Condamné à 1 an, mais lui, il pourra faire appel. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les judiciables dont je parlais juste avant. Monsieur Z appelle au racisme d'État, alors qu'il a été condamné pour la même chose, déjà, plusieurs fois, hein. Et donc, ce racisme qu'on nous met en avant avec certaines personnes qui sont là, qui trouvent ça très très bien, parce que c'est une solution, d'un seul coup, de mettre de côté toute une partie de la population. Évidemment, toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, servent le capitalisme, hein, ne vous racontez pas d'histoire. C'est-à-dire, plus on arrivera à nous partager, à faire que ça soit machin contre bidule et contre chose, etc., plus ils continueront à faire ce qu'ils veulent. Et après le racisme, le pass sanitaire qui divise. Par exemple. Les bons et les mauvais citoyens. Alors bon, par contre, les émigrés fiscaux, Monsieur Z, il n'en parle pas du tout. Hein, alors que quand on fait le ratio de ce qui se passe comme impact au niveau des sous sur la population, sur la France, les émigrés, c'est 2 ou 3 milliards, ce qui n'est pas rien. Il faudrait peut-être en parler du sujet, hein, pour de vrai. Mais bon, les émigrés fiscaux, c'est 200 ou 300 milliards. Hein, cherchez l'erreur quand même. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat. C'est ça qu'on dit normalement. Voilà, c'est à peu près ça. Alors bon, on voulait aussi parler des médiathèques, parce que les médiathèques, y a un mouvement national de grève depuis le 1er octobre, là. Mais en fait, il y a déjà des médiathèques qui étaient en lutte à Paris, à Grenoble, à Lyon, à Caen, à La Rochelle, et à proximité, les Vences, Annonay et Privas ont déjà fait plusieurs journées de grève pour protester contre le fait que, eux, quand ils ont signé un contrat, il y a une loi, parce que c'est des fonctionnaires, les gens qui sont dans les bibliothèques, les médiathèques, donc ils ont signé avec une loi qui est la loi numéro 83634, excusez-moi du peu, et donc qui est du 31 juillet 1983, le fonctionnaire ne doit pas faire de discrimination. Donc, il n'est pas question qu'ils demandent les cartes d'identité ou quoi que ce soit. Or, quand on bippe le pass sanitaire, évidemment, l'identité de la personne apparaît. Donc, c'est déjà extrêmement discriminatoire. Donc, il y a une confusion là, et il y a en tout cas un conflit d'intérêts, on pourrait dire. Hein. Voilà. Et donc, le personnel des médiathèques n'est pas d'accord du tout. En plus, il y a une charte des bibliothèques qui existe. Il y a un code de déontologie du service public par rapport à justement tous ces fonctionnaires. Et puis, il y a un manifeste de l'UNESCO qui devrait permettre l'accès à la culture et à l'information sans discrimination. Or là, on est complètement ailleurs. Bon, chercher l'erreur. Bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, puisque M. Macron est quotidien, enfin, hein, il fait ça tous les jours.
Voilà. Alors, après, dernière chose dont je voulais parler, c'est... alors oui, le 5 octobre, là, je dis ça comme ça parce que on pourrait se dire, ah ben c'est demain, oui, mais l'émission est rediffusée plusieurs fois. Et ben, il y aura donc des gens dans la rue par rapport à la loi chômage de ce gouvernement Macron encore. Je trouve que c'est un peu tardif, moi, hein, parce que, bon, voilà, elle est déjà appliquée depuis le 1er octobre, hein. Voilà. Et puis, samedi prochain, au château, à 14h, les gens qui veulent aller manifester toujours contre le pass sanitaire sont évidemment attendus. Alors, c'est à 14h, samedi prochain, au château. Hein. Et puis, alors, dernière petite chose, moi, parce que là, tout ça, ben, c'est tout dans le négatif, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Aurélie Trouvé, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le bloc arc-en-ciel ». Et qui est quelqu'un qui vient d'Attaque et qui parle des convergences des luttes et puis qui parle de création d'emplois. Incroyable, des créations d'emplois qui seraient possibles en France et entre autres pour les hôpitaux, pour le personnel hospitalier. Elle parle de ça et elle parle, tenez-vous bien, de 100 000 créations d'emplois. Génial. Dans le secteur hospitalier. C'est où j'y vais. Hein ? Voilà. Alors que vous qui êtes autour de la table, vous êtes là parce que vous voulez parler justement des conséquences du pass sanitaire sur le personnel sanitaire, hein, puisqu'on est bien là-dedans avec quelque chose qui ne va pas du tout. Alors juste avant de commencer vraiment, ce vaccin est en phase 3 accélérée. Normalement, il est en validation conditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore complètement validé puisque la phase 3 n'a pas été aboutie. Il est renouvelable au bout de 12 mois. Mais ça, personne, en gros, n'en parle. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout, pour l'instant, validé de façon définitive. Tu veux dire que c'est une expérimentation, en fait. Voilà, c'est expérimental. Et normalement, pour les expérimentations, avant, dans la loi, apparaissait quelque chose qui disait que les gens qui pouvaient être vaccinés, il fallait d'abord qu'ils donnent leur consentement libre et éclairé. Seulement, ça a été enlevé, ça, dans la loi, maintenant. Chercher l'erreur, toujours quoi, hein, à chaque fois, voilà. Alors, je vais me taire parce que vous avez certainement beaucoup de choses à dire, et voilà, et ça m'intéresse. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe sur le sanitaire à proximité et d'une façon générale pour vous trois, quatre, juste autour de la table. Juste, je me permets d'ajouter sanitaire et social et éducatif, hein, parce que effectivement, les structures sanitaires sont concernées, mais aussi les structures médico-sociales. Voilà, juste petite parenthèse. Je suis concernée puisque je suis éducatrice. Voilà, pourquoi. Il me semble que tu avais ouvert le bal tout à l'heure, quand on était en train de se préparer, sur la façon dont, justement, ça fonctionne pas à proximité, sur le changement d'affectation des lits, ou en tout cas d'appellation des lits, et tout ça. Alors, on a pu voir dans... du coup, cette situation que nous vivons depuis un an et demi, il y a un changement, on va dire, de dénomination sur certains services. On a pu entendre qu'il y avait des augmentations de lits de réanimation, ce qui est totalement faux, puisque les ARS ont modifié l'appellation de façon à montrer des chiffres qui ont augmenté, alors que pas du tout. Ce sont des lits de soins intensifs qui ont été modifiés en lits de réanimation. Le seul avantage que les soignants ont pu voir, c'est une augmentation d'effectifs, mais en fait des services ont été fermés pour justement redispatcher ces fameux soignants qui sont arrivés dans des services pas du tout formés, en stress. On a dû former sur le tas, normalement une formation en tant qu'infirmier ou aide-soignant qui met pratiquement un an pour qu'on arrive à être à peu près autonome. Donc on a mis en danger des soignants face au traitement qu'on peut donner aux patients, mais aussi, il faut être clair, on a mis les patients en danger avec des soignants qui n'étaient pas du tout formés. Au niveau du matériel, ça se passait comment, du coup, ce changement ? Eh ben, au niveau du matériel, il fallait courir après tout, il fallait pleurer, calculer le nombre de masques qu'on pouvait mettre, le nombre de casaques. Il y a des services, ils avaient pratiquement rien du tout. En gros, on nous a envoyés au front sans rien, quoi. Débrouillez-vous. On a réussi à pallier à ça. Et puis maintenant, on est des parias, on est des vrais assassins. Alors que pendant un an et demi, ils étaient bien contents qu'on aille au front, en sachant qu'on a quand même délaissé nos familles. Il y a des soignants qui... moi, je fais partie chez quelqu'un dans ma famille qui, à ce moment-là, était fragile au niveau de la santé, de peur au cas où d'amener le virus. J'ai préféré
aller m'expatrier ailleurs, chez quelqu'un, pour éviter justement de contaminer. Donc c'était pendant plusieurs mois, pas voir ma famille. C'est terrible, quoi. Je me suis isolée, quoi. Oui, j'aimerais bien rebondir là-dessus, effectivement, parce que quand nous sommes allés au casse-pipe, là, hein, les premiers de cordée, on va dire, on n'avait pas de matériel. On a vraiment fait preuve, je pense, d'un bon sens admirable et qui a été loué, hein, tous les soirs aux fenêtres. Les Français tapaient dans des casseroles et tapaient dans leurs mains pour nous dire bravo, bien joué. Et puis finalement, maintenant, quand on a vécu cette période absolument angoissante, maintenant, on entre dans une nouvelle ère où, parce qu'on refuse une vaccination qui, je dois bien le dire, porte très mal son nom, c'est-à-dire qu'on est dans un pays, la France, où la vaccination, c'est vrai, peut créer des débats. Alors, bon, certains vont penser que c'est des caprices d'enfants gâtés de dire que la vaccination, ma foi, bof, pourquoi et pourquoi pas. Mais je trouve que c'est vraiment impropre d'appliquer ce signifiant de vaccin à ce liquide qui est injecté en masse et dans une grande violence, en fait, à des citoyens qui, pour diverses raisons, n'en veulent pas. Voilà. Et je crois que on a entendu un président qui, au départ, pour se mettre un peu tout le monde dans la poche, je pense, et créer encore une fois une sorte de cohésion, a dit « je ne rendrai jamais la vaccination obligatoire hein, ». Ça, je pense que vous vous en souvenez tous. Et quand il a vu que les Français réfléchissaient quand même, parce qu'il y a quand même encore des gens qui réfléchissent ici, ne voyant pas les chiffres de la vaccination augmenter, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, le 12 juillet, il a précipité une partie de la nation dans des abîmes sans fond. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai entendu, j'ai cru que mes jambes allaient se dérober et je me suis dit, ça y est, on est mal, quoi. On est mal parce que je ne vois pas l'intérêt de cette vaccination. Mais si, l'intérêt, c'est un intérêt financier. Tu comprends bien qu'il y a des gens qui font beaucoup de sous là-dessus. Oui. Voilà. Oui. Alors, excusez-moi, il y a eu trois interviews qui ont été faites à voix masquée, hein, parce que c'était du personnel soignant, donc qui est obligé de masquer sa voix. Oui, pour... j'aimerais bien d'ailleurs aussi présenter justement nos excuses aux auditeurs, parce que je trouve que c'est scandaleux d'avoir à cacher nos voix, à cacher nos visages, cacher nos identités pour nous adresser à vous. Mais pour qu'on puisse le faire encore un peu librement, eh bien, il faut se dissimuler, quoi, parce que sinon, il pourrait y avoir des représailles. Tout simplement, hein, dans la réalité, les soignants à l'heure actuelle qui ne sont pas vaccinés, qui ne sont pas injectés, pardon, sont mis à pied. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont privés de salaire, privés de statut, et ils sont relayés comme ça au rang de citoyens de seconde zone. Alors, vous imaginez l'angoisse qui monte là, et c'est vrai qu'on se dit, de toute façon, qu'on restera vivant. Voilà, on restera vivant, mais quoi qu'il en coûte, là, ça va évidemment nous coûter à nous. Alors, premier extrait sur l'impact de la qualité des soins. L'impact sur la qualité des soins. J'ai 29 ans d'ancienneté de diplôme, 30 ans d'ancienneté éducatrice spécialisée. Moi, le travail, c'est une éducation, c'est mon parcours de vie aussi. Voilà. Et là, on m'empêche d'aller travailler alors que c'était mon choix. Pour l'instant, je suis suspendue. On nous avait dit jusqu'au 15 novembre, mais là, dans les lettres de suspension, il n'y a aucune date limite. C'est-à-dire qu'on est suspendu jusqu'à temps qu'on revienne vacciné. Voilà. Il n'y a plus de veilleurs de nuit. Les CDD, par exemple, n'ont pas reconduit pour certains, pour beaucoup même. Et je pense que là, ça va commencer à coincer dans peu de temps, quoi, en fait, sur le... Et nous, pour nous, nos conditions personnelles, et ben voilà, quoi, on fait quoi, quoi ? On fait quoi demain ? On fait quoi ? Et là, on interdit à mes collègues de venir travailler. Dans mon service, les soignants qui restent sont totalement épuisés, dépités, démunis. Généralement, on s'en sort parce qu'on est complémentaires. Toutes nos singularités font que, bon an, mal an, avec nos petits bouts de ficelle, on arrive à accompagner pas trop mal les gens. Ne pas venir travailler, c'est pas possible pour nous. Quelles que soient nos colères et nos revendications, en fait, quand on regarde les gens, quand on est auprès d'eux, on se dit évidemment, demain, je serai là pour toi. Du jour au lendemain, on a foutu les gens dehors. On a déplacé des personnes âgées. Certaines avec des gros troubles cognitifs, à qui on avait promis qu'on les accompagnerait jusqu'au bout. C'est violent pour nous, c'est surtout violent pour les gens qu'on accompagne, c'est violent pour les familles. On nous dit qu'on est dangereux pour pouvoir mieux soigner et mieux protéger les gens, mais carrément, nous, on les soigne plus du tout. Notre hôpital a diffusé
à deux reprises la liste des soignants non vaccinés à l'ensemble du personnel de l'établissement. Voilà, c'est quand même assez fou ça. Alors, vous, ça vous inspire quoi ? De la colère. De la colère de se rendre compte que tout le monde est impacté, c'est-à-dire les patients, les résidents, suivant où, dans quelle structure on est, les équipes, ceux qui restent au front et qui ont dû se plier à une vaccination alors que pour certains, ils n'en voulaient pas. Mais voilà, la pression de tous les côtés fait que parfois, ben voilà, on finit par craquer. Et une grande tristesse de constater ça et l'envie de bah, qu'il y ait encore des mouvements qui se maintiennent et que ça prenne de l'ampleur et qu'on soit entendu parce que c'est juste pas possible qu'on continue comme ça à diviser les gens alors qu'on est là tous avec la même problématique et que surtout pendant toute la période avant cette injection, cette obligation maintenant d'injection, je dois dire que on a pu constater, en tout cas autour de moi, dans le service où je travaille et dans d'autres lieux où j'ai partagé avec d'autres personnes, les situations se sont bien gérées entre guillemets. Enfin, il n'y a pas eu de situation très problématique. Dès qu'on a pu avoir du matériel, on s'en est bien sorti. On a protégé les gens, on s'est protégé, on a fait attention. Les choses se sont bien passées. Donc pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas travailler si on n'est pas vacciné, entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment un vaccin. Tu parlais aussi des gens qui sont vaccinés sans le savoir. Alors c'est arrivé que dans certains services, on oblige les gens. En fait, on les a vaccinés de force. Il y a eu des personnes qui ont eu deux injections en 15 jours, ce qui je trouve totalement ignoble de faire ça, avec un chantage derrière, si de toute façon vous ne le faites pas, vous n'aurez pas les soins. Les gens dans des lits, pareil, c'est arrivé. Bien sûr, la première question, c'est pas de savoir pourquoi ils sont là, c'est la question, êtes-vous vacciné ? Si la personne est vaccinée, ils l'ont injectée, elle a de la chance, on lui parle bien. Sinon... j'ai jamais vu des médecins des fois tenir des propos pareils. Ah ben, c'est de votre faute si vous êtes là. Bon. Des fois on tempère et quand nous on faisait encore partie des soignants où on était un peu dans le même cas qu'eux. Par contre, là, à l'heure actuelle, puisque les soignants non injectés ne travaillent plus, moi il faudra m'expliquer du coup comment ils gèrent, puisque des collègues qui sont vaccinés ont été arrêtés sur certains établissements de soins, puisque ça s'est avéré qu'ils étaient positifs. Donc voilà, ça aussi, il y a un peu des aberrations. Nous, pendant un an et demi, nos services, on a pu avoir des gens qui étaient hospitalisés avec le Covid ou d'autres personnes sans Covid. On n'a jamais fait de transmission croisée. Et puis, comme par hasard, le jour où il n'y avait que des vaccinés dans les services... On s'est aperçu qu'il y a eu des transmissions croisées qui ont été faites. Donc c'est pareil, pourquoi maintenant que tout le monde, soi-disant, est protégé, parce qu'on n'est pas protégé, hein, on est encore contaminant et on peut être contaminé aussi avec l'injection. Donc je pense que les gens, à l'heure actuelle, ayant eu les deux injections, ne font plus attention non plus aux gestes barrières, se croient vraiment immunisés contre cette maladie, et du coup, ne font pas attention et la donnent aux autres. D'accord. Et même dans le milieu du soin, ce qui est grave. Mais ça, on le voit aussi dans les milieux, dans nos milieux, de tous les jours. Quand vous allez faire vos courses, les gens qui sont vaccinés ne font plus attention. Ils se reçoivent les uns chez les autres. Il n'y a plus de gestes barrières, il n'y a plus rien. Bon, c'est normal aussi que dans un service, les gens fassent moins attention. Leur travail au moment où ils travaillent. Quoi. Le temps avance, Marie-Claude. Alors, on met l'extrait numéro 2. Et après, tu nous parleras un petit peu des moyens qui sont en baisse d'une manière générale en France. Oui. Hein, l'hôpital est mal, oui. Alors voilà, je suis infirmière dans une structure publique. J'ai eu beaucoup de pression de la part des dirigeants, des cadres, par rapport à ma position vis-à-vis de la crise sanitaire. Et je ne savais pas trop comment j'allais me sortir de cette situation. On m'a fait des propositions, mais qui ne me convenaient pas, qui n'étaient pas très claires pour moi. On peut dire par chance. J'ai eu un accident du travail, sans gravité, mais qui nécessitait une radiographie.
Et quand j'ai voulu, je suis allée dans les bureaux pour faire ma déclaration d'accident du travail. J'ai demandé à partir faire ma radio. Et là, j'ai eu à nouveau la pression en me disant non, non, mais vous n'allez pas démissionner. J'ai dit non, je ne vais pas démissionner. Vous n'allez pas non plus faire abandon de poste. J'ai dit non, je ne veux pas faire abandon de poste. Donc la personne dit, vous allez y retourner. J'ai dit, mais y retourner où? Ben, vous allez retourner à votre poste. J'ai dit, mais moi, il faut faire une radio, parce que là, il y a une suspicion de fracture, quand même. Donc, j'ai été choquée par ce comportement. La personne, après, s'est un petit peu énervée, est allée consulter une autre cadre à côté de son bureau, et est revenue en me disant, bon, ben, allez-y, passez votre radio, et vous nous tenez informés. Mais c'était assez agressif et assez ambigu comme discours, comme situation. Donc voilà, et pour le coup, ben, j'étais sauvée par cet arrêt d'accident du travail. Voilà, ma situation, c'est plutôt expliqué que je suis en arrêt maladie et qu'au bout de quelques jours, mon employeur s'est permis de m'envoyer un médecin de contrôle. Et suite à ça, j'ai reçu des mails de mon employeur pour me demander ce que je comptais faire de mon CDI, hein, voilà, enfin, remettre en question mon contrat parce que je refusais la vaccination. Alors, moins de moyens, en tout cas des gens qui sont virés. Et toi, alors, Marie-Claude ? Alors, on sait très bien maintenant qu'il y a eu 5758 lits supprimés en 2020. Mais pour mémoire, en 2019, il y en avait 3400. Disons qu'il y a une étude du ministère de la Santé qui a été publiée le mercredi 29 septembre qui dit qu'il y a eu plus de places, plus de lits ouverts en réanimation. Moi je pense, d'après ce que j'ai cherché et lu, je pense qu'il y a quand même pas mal de réorganisation et de restructuration qui ont fermé des services. Et donc j'ai cherché. Et en fait, l'année dernière, il y a eu 25 établissements, donc hôpital et cliniques confondus, qui ont été fermés. Donc bon, je trouve que ils ont de drôles de façons de voir comment ils réaffectent tout ça, les personnels et tout ça. Et je voulais, moi, vous poser la question, comment ça se passe dans vos services? Et parce que en fait, il y a moins de personnel, on déplace les personnels, et ils sont pas formés, ces gens-là. Comment sont réaffectés les personnels? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ben comme je l'ai dit moi tout à l'heure, voilà, on a fermé des services pour justement pallier aux afflux dans certains autres, comme les réanimations ou alors les services de médecine où après les patients étaient hospitalisés. C'est des gens qui sont venus travailler dans le stress et l'angoisse, et ça, c'est des soignants qui resteront pas. Les jeunes diplômés, ça a été pareil, on les a catapultés dans des services sans les former. Il y a un savoir qui se perd. Alors, en fait, je suis obligé de te couper, ouais, parce qu'il nous reste le troisième extrait à écouter. Bonjour, aide-soignante en EHPAD, donc auprès d'un public âgé. Les personnes décédées du Covid sont des personnes qui étaient en fin de vie. Celles qui ont été hospitalisées sont revenues en pleine forme. Très bien que suite aux vaccinations, première dose, deuxième dose, j'ai constaté l'état qui s'est détérioré au fur et à mesure du temps, que ce soit psychologique, que ce soit la fatigue, la perte d'appétit, des maladies à n'en plus finir, thrombose, angine, des choses, voilà, des gens qu'on est obligé de faire partir en urgence. On nous a jamais dit pourquoi, en fait, ces gens-là, jamais malades, après la vaccination, se sont retrouvés malades. Et aujourd'hui, je refuse cette vaccination, c'est suite à tout ce que j'ai pu observer chez les résidents. Et chez certaines de mes collègues également. Depuis le début de la campagne de vaccination, on a commencé à vacciner ou injecter ce produit à des personnes âgées ou des patients. Un jour après, directement, j'ai eu un arrêt cardiaque, une de mes patientes qui a fait un arrêt cardiaque. Il y a un médecin quand même qui m'a dit « ça peut être la vaccination, enfin ça semble » puisque du coup c'était 24 heures après. Du coup, beaucoup de patients qui sont arrivés au service de médecine m'ont dit que depuis la vaccination, en fait, ils ne se sentaient pas bien. Donc soit il y a eu des troubles
troubles neurologiques, style des syndromes parkinsoniens ou des types de démence, différents types de démence, où en fait les symptômes se sont aggravés. Qui c'est qui veut conclure ? Moi, je trouve que ce ne serait pas vraiment une conclusion, parce qu'il y aurait encore temps et temps et temps à dire. Donc, oui, c'est un peu frustrant, en fait, parce que le temps est vraiment restreint. Moi, je crois qu'il faut vraiment pousser les gens à aller sur des réseaux alternatifs pour se renseigner, pour avoir d'autres chiffres, pour avoir des images différentes. Parce que ce qu'on nous dit actuellement, si on reste focalisé sur BFM TV et CNews, c'est loin, loin d'être la réalité de ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, réveillons-nous. Il est encore temps, mais il faudrait pas trop traîner, là, parce que il y a le feu au lac. Vraiment, je vous assure, il y a le feu au lac. Juste peut-être dire que si les gens veulent échanger avec des personnes concernées de près, notamment des personnes soignantes et assimilées, elles peuvent peut-être venir à la manifestation du samedi à 14h au château. Et là, on pourra échanger en direct et on vous racontera toutes nos histoires. Oui. Et il y a aussi quelque chose qui me paraît très important, c'est des mouvements, des collectifs de soignants qui se sont fédérés assez rapidement et qui mettent en ligne sur YouTube des manifestations, des spectacles de rue, en fait, qui attirent l'attention et qui font vraiment se poser de véritables belles questions. Et je vous invite à aller voir sur YouTube un clip, en fait, qui s'appelle « Soigner encore ». Et je crois que ça dit tout. Voilà. C'est d'après la chanson de HK. Allez, à bientôt. À bientôt, merci. À bientôt. À bientôt.